Thank you.
La clé de la mort et du séjour des morts à Satan. Il nous a donné cette clé. Vous savez que la clé nous sert d'ouvrir les portes. Nous sommes les mains d'une clé. Tu ne te sers pas de cette clé pour faire ouvrir. Amen. Elle a resté là et c'est la mort qui prendra la place pour toi. Et quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ce n'est pas pour s'asseoir. Il fait qu'il dit, à mon nom vous marcherez si les serpents, les scorpions, et si toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra venir, rien ne pourra venir. Amen. Nous allons terrasser Goliath. Nous allons terrasser Goliath. Celui qui nous a lancé un défi. C'est pour ça que dans cette chanson, je dis, il n'y a pas. Vous m'avez lancé un défi. C'est un défi que vous m'avez lancé. Et Jésus est venu. Amen. 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 La Bible dit que Christ en nous est l'espoir de la gloire. Christ est en nous. Et quand Jésus-Christ est en toi, c'est la vie. La mort ne doit plus prendre le dessus. Amen. 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 Christ compte sur nous. Comme l'église.
Jésus t'attend, que tu t'élèves. Nous sommes en train d'aborder les morts. Je dis, pourquoi le 1er novembre, c'est l'esprit de mort? On dit, fête de tous saints. Mais pourquoi c'est tous les saints? Qui est saint ici? Et derrière, on dit, non, pour masquer la chose, on dit, je suis en train d'attaquer quelque chose. Je suis en train de vous brûler l'esprit. Parce que vous avez fait ça tout le temps dans la bonne époque. Vous devez comprendre les choses. Vous devez vous mettre dans des systèmes. Et c'est ce qui vous nuit déjà. On nous fait de tous les saints. Qui est saint? Plan fait des saints. Et on dit que c'est en cette même période-là, il faut aller adorer, mettre des fleurs sur les tombes. Vous comprenez ça? Et pourquoi c'est le 1er novembre? Parce que les deux mois qui suivent, c'est la cascade. Les gens commencent à mourir maintenant. C'est pour ça qu'on introduit le mois de novembre avec la mort. Et ce n'est pas bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler à l'esprit de mort. Amen. 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 Les témoins, là, c'est très dangereux. C'est là que j'ai dit, là, on renouvelle les pactes des sangs. Il reçoit plus de force, d'énergie spirituelle, parce qu'il faut aborder une nouvelle année. Amen. Amen. Pourtant, tu as le pouvoir et la puissance de Jésus pour régner sur tout. Amen. Amen. S'il y a un sorcier qui va en faire une expérience sur lui, une petite expérience, c'est la puissance de Jésus qui sur lui. Il va comprendre que Jésus, ce n'est pas un comédien. Amen. C'est nous qui dormons sous la puissance de Dieu. Eux, ils ne dorment pas, ils savent ce qu'il y a en eux. C'est ça, quand tu parles à un sorcier, tu regardes, ça monte, tu as fait ça. Et puis, tu montres. Si vous asseyez sur le pouvoir de Jésus, c'est le diable qui va régner sur vous. Le pouvoir n'est pas fait pour s'asseoir. Il dit, vous allez marcher à mon nom. Si les scorpions, les serpents, et si toute la puissance de Satan, il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. La mort ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. Ne sois pas un chrétien vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la pauvreté. Amen. Depuis que j'ai compris ça, l'argent ne manque plus. Non, non. Amen. Et même j'ai envoyé, je vais vous donner le secret de comment avoir l'argent. Chaque jour, l'argent dans la poche. Mais la vérité, ce n'est pas vrai. L'or et l'argent appartient à Dieu. Comment avoir l'argent chaque dans la poche? Ce n'est pas fait de péché. C'est la miséricorde que tu ne connais pas. Amen. C'est pour ça que tu es possédé. Quand l'argent te manque, tu as des mauvaises pensées. Je t'assure, le jour où l'argent a manqué dans ta poche, tu vas avoir des démons. Il va venir te parler. C'est les fêtes, non? Ça arrive. C'est là les démons vont commencer. Les officiers, la roue, non, vont sortir des couloirs pour dire qui te prétient. Je gère ta fête. Puis tu vas perdre ça, le combat, le diable va te manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à quelqu'un, il faut que Goliath tombe. C'est juste toi-même qui as Goliath, à quoi ton média, amen. J'ai changé le langage, amen. Amen. Voilà, on va envoyer l'esprit de mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, il dit, mais tu ne sais pas que moi, je suis capable de t'envoyer la police. Il dit, ben c'est moi qui chasse les démons. Quand il me demande d'aller dans les lieux arides ou dans la mer, voilà. Amen. Et il cherche un endroit. Je dis, si je dis, prends, rentre. Je disais ça des vaudous à Fresco, à Grand Laou. En 2009, ils ont tiré des petits chapeaux de moi dans le village. Vous n'êtes pas que je rentre dans le village. Je viens les attraper. Ben moi, je vous annonce, je viens vous attraper. Vous êtes fait pour être attrapé, vous désarmé. Vous mangez viande de l'homme. Voilà. Donc j'ai donné ma date et tout ça, je suis rentré là-bas. Vous les attrapez. Et vous nous. Tout le monde connaît l'histoire ici en Côte d'Ivoire. C'était la une de tous les journaux. 24 heures, c'était la une de tous les journaux. Où un gars, monsieur, a pris le pétrole du village, il l'a mis dans son salle d'ange. Un sorcier. Le plus grand sorcier du littoral. Le grand Laou et tout ça. Et le monsieur dit, il va nous manger, il va nous tuer. Oui, il a fait disparaître le pétrole bleu qu'on découvre dans un gros village qu'on appelle Ebounou. La capitale, en fait, la sous-préfecture des Abidjan. Ok. On me fait une réunion et tout ça avec les cadres du village. Le gars, il lance un défi, il commence à parler. Il dit, ce bonhomme-là, je vais finir de le manger, après ça, je vous mange.
Voilà, j'ai fini de le manger, j'ai fait quelqu'un. Après ça, je vous mange. Donc, on me fait une deuxième réunion. Tous les cadres ont fait une réunion. Moi, j'ai tellement vu des choses que vos petits mangeurs d'orteils, ils ne me disent rien. C'est la vérité, je vous dis. Vous savez, j'ai des mystères. Quand tu maîtrises, un être humain qui ne ferait pas. D'ailleurs, quand tu le regardes, c'est comme le Dieu. Vous êtes très dangereux. C'est parce que vous ne savez pas ce qui est en vous. La vie dit, la vie et la mort sont au bout de nos lèvres. Tu peux tout boucler sur quelqu'un. Par le pouvoir de Dieu. Quand on a le pouvoir, on dit ben ça. Amen. Moi, j'aurais dû dresser tranquille. On ne commet pas les espoirs du gars. Il a tué, lui, il tue. Il fait ceci, cela. Il fait. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Je comprends pourquoi le diable tue. Il vous menace. Moi, j'aime bien les menaces. Parce que je sens que je crie. Amen. Je sais qui est Jésus. Je sais qu'il est représente pour moi. Je sais qu'il est dans ma vie. Il marche avec moi, il dort avec moi, il vit avec moi. Il vit en moi. Pourquoi avoir peur des menaces? Amen. Amen. De toute façon, j'entends les paroles, le monsieur la demande de Dieu. Il est grand, il est vrai sorcier, la demande. Lui, il ne cache pas pour lui. Vous êtes sorcier, vous cachez pour lui. Lui, il ne cache pas pour lui. Il dit pour lui vis-à-vis. Quand les gens veulent jouer au football, ça lui on demande permission. On a la compétition de football, pardon. On va le faire. Et puis d'aller jouer. Si vous n'avez pas demandé pardon à ce monsieur-là, dès que vous déclenchez, vous cassez les pieds, vous revenez le voir, puis je lui dis maintenant il y a les yeux. Vous voyez, les gens comme ça sont les maîtres des dieux. Il a fermé le collège de Gomu, l'école. Il faut 300 élèves sur tout le littoral pour ouvrir le collège. Ah là, moi j'étais plus choqué. J'avais mangé 300 élèves pour Gondou. Ouais. Donc je discute avec eux, ils disent non, le monsieur, il tue les gens, voici ce qu'il a fait, tout ça. Même à l'église, même il tue là-bas les gens. Je dis, moi je ne vous parle pas d'église, je vous parle de la puissance de Jésus. Amen. Amen. Je vous parle de la puissance de Jésus sur la mort. Donc quand je ne parle pas de menace de mort, je suis plus content. Parce que je vais me voir. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est ce de prouver la parole de Dieu. Amen. C'est toi, il faut aller d'abord, hein. Sinon, on te suit. On a fait un programme où on devait rentrer dans le village. Ils m'ont dit de partir. Et quand je suis descendu dans le village, j'ai commencé déjà à parler à la terre pour dire terre, tu es ma possession, toi, terre, c'est pour moi. Parce que le Amen. Amen. C'est moi ici qui pourrais être terrain. Nous sommes les héritiers de Dieu. Dis amen. Héritage, c'est quoi? C'est qui ton papa? Ah là, c'est t'appartient. Amen. C'est que terre m'appartient. J'ai commencé à parler la terre. Il dit, toi, terre. Je rentre en position de cette terre. Et je maudis tous les méchants dans le nom de Jésus. Amen. Je déploie toute l'armée céleste sur ce village. Et je proclame la victoire de Jésus sur la mort. Amen. C'est fini. Je suis descendu là-bas. J'ai dit, montez, allez-y. Je commence à marcher dans le village. Ça a crié le prophète, je marche dans le village. Les sorciers ont commencé à partir un peu. Ils sont là, les regards. Parce qu'ils avaient tendu les pierres. Je marche. Et la même nuit, je me suis mis dans le village. J'ai dit, j'ai besoin de tous les sorciers du littoral. Ils n'ont pas venu. Comprendre que Jésus est Seigneur. Ils n'ont pas passé toute une vie en train de tuer les gens. Venez. Après la réunion, j'ai dit, je suis venu, d'abord, nous donne trois jours. Hein. Le quatrième jour, j'allais de maison en maison, j'ai fait raste spirituel. Je vous raste, vous allez comprendre. Je vous raste, vous allez vous rappeler, puis je vous délivrer. Voilà. J'ai fait raste spirituel dans la maison. Tu es dedans, je te prends, je vais te délivrer. Je fais raf spirituel. Ben, vous êtes des délinquants, des criminels. Voilà, spirituels. On fait raf ici, vous allez comprendre, dans le village. Et par exemple, deuxième jour, le gars est venu et dit, ah, lui, il est quitté chez lui dans sa base. Donc j'envoie les hommes, il dit, je ne veux même pas le voir chez moi. Grand sorcier du village.